En 1955, il a voulu faire une version plus petite et plus économique de la Fiat 600. Donc en 1957, elle a commencé à commercialiser la Fiat 500 l'ordinaire medical vintage, en fêtant ses 50 ans en ramant de la 500. Donc, la famille 500 depuis, elle a grandi. Depuis 2007, Fiat, elle a commencé par diversifier. Ou en 2013, elle a ramené la 500L, les Hiatta Ojet Litton en 2014. Ou ce n'est en 2014. Elle a aussi lancé la 500X, c'est une SUV à couper le 500L. Donc la 500L, c'est l'héritée par la 500. Elle a gardé le côté cool et vintage de la 500, tout en ajoutant le côté pratique et spacieux. Avec la 500L, Fiat souhaiterait cibler d'autres segments, les familles, les jeunes familles, les d'ailleurs qui ont un de la 500, d'avoir leurs besoins qui brûlent au cocher, donc un peu la 500L pour satisfaire ces nouveaux besoins de la même clientèle et pour aussi attirer une nouvelle clientèle.